Shima les amis, j'espère que vous allez bien. Donc dans un premier temps, on va se connecter sur Sunsilk City. Donc c'est pour recevoir la coupe qu'il y a sur la miniature. Donc vous allez vous connecter au jeu, vous pouvez un petit peu tout skipper. Là vous allez en direction du mini-jeu qui nous permet justement de gagner la coupe. Donc je vous conseille fortement de faire ça rapidement avant que la coupe ne soit plus disponible et qu'elle soit remplacée. C'est pour ça que je poste cette vidéo le soir même. Et on rentre dans le mini-jeu, donc là c'est en mode vitesse rapide, mais en gros il suffit juste que vous finissiez le jeu pour recevoir cette coupe. Donc vous pouvez constater, il suffit juste de ramasser un maximum de trucs qu'il y a sur le chemin en évitant les obstacles. Je vous mets également ma chaîne secondaire si vous voulez, parce que je pense que je vais poster ce genre de vidéo plus régulièrement sur ma chaîne secondaire et un peu moins sur celle-ci, sauf si je vois des trucs de dingue, genre cette coupe je la trouve trop bien pour ceux qui n'ont pas de Robux. Et voilà, on arrive à la fin. Voilà, je suis arrivée au bout et comme vous pouvez le constater, je gagne des points. Bon, je sais pas trop à quoi ça sert les points, mais moi ce qui m'intéressait c'était la coupe. Et là vous pouvez constater qu'il faut attendre que les autres joueurs y finissent. Et une fois que les autres joueurs ils ont fini, eh bien vous recevez les petits badges là. Et voilà, donc je suis arrivée première. Je crois que les autres ils ont pas réussi, ils ont quitté. Juste avant de clôturer la vidéo, je vous montre ce que ça donne. Donc moi je la trouve plutôt pas mal cette coupe. En tout cas, n'hésitez pas à liker, à partager cette vidéo rapidement à vos potes si vous voulez pas qu'ils ratent cette occasion. Et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne secondaire où je pense que je ferai ça sous format de short. Voilà, merci d'avoir regardé. Ciao, ciao, à bientôt.